paysage paradisiaque. Et oui, nous sommes à l'ouest du Cameroun, dans le groupement Fongo-Tongo, l'arrondissement de Tchang. Nous sommes à Ndembo, dans les grottes de Ndembo, qui veut encore dire le dieu de la grotte. Pourquoi le dieu de la grotte? Derrière moi, vous voyez, Napi au fond de moi là, une grande cuvette de grotte. Nous allons ensemble explorer cette cuvette. Au sommet, on a une chute de plus de 50 mètres de hauteur, coiffée par une forêt sacrée. Donc ce site, ce lieu est sacré. Quoi de plus magnifique, quoi de plus beau d'être dans ce paysage paradisiaque protégé par les dieux du Cameroun. Nous sommes bien à l'ouest du Cameroun. Ensemble, on va explorer cette cuvette. Bien, on fonce. C'est le passage des animaux. C'est-à-dire la nuit, le jour, ils sont dans les portes. Et la nuit, ils sortent pour aller s'approvisionner. Il y a toutes les variétés. Les rats, les taupes, les hérissons, les antilopes, mais tout ce que vous connaissez, excepté le pardon et les éléphants. Parce qu'ils n'aiment que les endroits touchés. Et la nuit, ils viennent ici. Pour nous, notre monde, c'est le jour. Ouais. Mais la nuit, c'est un autre monde. C'est le monde. Voilà. Même moi, ici, je ne peux pas venir la nuit. Même si je suis venu pour la nuit, je ne peux pas venir ici la nuit. C'est assez bien.